back from the dead. Eh bien oui, chers visiteurs, il s'agit d'un Utahraptor. Il s'appelle Jason. Et vous pouvez le caresser, il est inoffensif. Voici un second Utahraptor. Celui-là s'appelle Tonnerre. Jason et Tonnerre sont des Utahraptors adultes. Ils mesurent 7 mètres de long sur 2 mètres de haut. Furent découverts dans la région de Utah, aux États-Unis d'Amérique. D'où leur nom, Utahraptor. Les Utahraptors étaient de grands prédateurs carnivores. Ils avaient l'instinct grégaire, ce qui signifie qu'ils vivaient et chassaient en meute. Pour chasser, ils étaient munis de dents tranchantes comme des lames de rasoir et de griffes rétractiles à 360 degrés. Les scientifiques et paléontologues ont découvert plus de 70 espèces et sous-espèces de raptors, dont font partie le Deinonychus, le très célèbre Velociraptor, le gigantesque Gigantoraptor et bien évidemment le Utahraptor. À sa taille, Utahraptor était très rapide. Il pouvait atteindre une vitesse de course de 65 km/h, ce qui faisait de lui un prédateur rapide et extrêmement redoutable.
Mais je pense que vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis que le plus redoutable de tous ces prédateurs était incontestablement le roi des dinosaures. Bien plus célèbrement connu sous le nom de T-Rex ou encore T-Rex. Son nom scientifique complet est Tyrannosaurus rex, ce qui signifie littéralement roi des reptiles tyrans. Oui. Tel que vous le voyez, Rex a la taille d'un tyrannosaure adulte. Il mesure 12 mètres de long sur 3 mètres de haut. Impressionnant, n'est-ce pas? La taille des tyrannosaures pouvait varier de 10 à 14 mètres de long sur une hauteur de 3 mètres à 3 mètres 50 de haut. Le poids du tyrannosaure pouvait atteindre les 12 tonnes, soit le poids de 2 éléphants. Incroyable! Les dents du T-Rex pouvaient atteindre une longueur de 20 cm. Les tyrannosaures, à cause de leur poids et leur taille imposante, n'étaient pas très rapides. Ils pouvaient tout de même atteindre la vitesse de 25 km/h. S'ils ne comptaient pas sur leur force pour chasser, ils étaient de grands prédateurs incroyables. En effet, aujourd'hui encore, le tyrannosaure détient le record de la plus puissante mâchoire du règne animal. Plus d'une tonne de pression au mètre cube. Rex, Jason et Tonnerre ont tous les trois participé à de nombreux tournages de films documentaires sur la vie des dinosaures. C'est grâce à ce genre de robots animatroniques que nous avons pu réaliser des films tels que Jurassic Park ou encore Jurassic World. Pour réaliser un film ou un documentaire avec des dinosaures, il vous faut trois choses essentielles. Premièrement, de l'imagerie numérique de synthèse,
secondement, un fond vert, et puis, évidemment, des robots animatroniques. Vous l'avez compris, pas de robots, pas de films. Aujourd'hui, vous découvrez en quelque sorte l'envers du décor des studios d'Hollywood. Ces trois géants de la préhistoire s'appellent Jason, Tonnerre et Rex. Et vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements. Et merci beaucoup.